Que faire? Je ne peux pas retourner à l'hôpital. Pitié, aidez-moi! L'hôpital est envahi par des monstres! J'ai réussi à m'enfuir, mais je ne peux plus retourner! Il y a eu des choses étranges récemment? Eh bien, il y a cette jeune fille, Misaki, au quatrième étage. Après son opération d'œil, elle n'arrivait plus à dormir. Elle a dû beaucoup souffrir avant de mourir. Peut-être que sa souffrance a causé la corruption. On ne peut pas ignorer ça. La fille était au quatrième étage. C'est bien ça, n'est-ce pas ? Ça va? T'es en train de penser à ta sœur? Ouais. Et à quel point je suis un lâche. Misaki, pourquoi tu n'arrives pas à dormir? Je me suis fait opérer des yeux. Et depuis, je vois une méchante femme dès que je ferme les yeux. Une transplantation de la cornée. Peut-être qu'elle voit ce qu'ont vu en dernier ses nouveaux yeux. Il y a une porte au troisième étage qui est toujours fermée. La méchante femme sort toujours de là-bas. T'en fais pas, on va s'en occuper. Un donneur de cornée et une porte étrange. Allons voir au poste d'infirmier, au troisième étage. C'est quoi ce bordel ?
Pour être si doué, la chance ne suffit pas. On trouvera peut-être quelque chose à propos de la gamine. C'est quoi ça? Cet Owada, c'est peut-être la personne qui a fait don de sa cornée pour Misaki. On a le code. Essayons-le sur la porte fermée. Ça doit être cette porte. Bien, voyons voir à l'intérieur. Il y a quelqu'un ? Je vois. Donc tu dois être le donneur. Donneur ? De quoi ? Une petite fille a le même problème. Elle a dû recevoir tes cornets. Non. Mes yeux la font souffrir. Si nous pouvions faire quelque chose contre le monstre, peut-être qu'au moins la petite s'en sortirait. C'est comme un cauchemar éveillé. Donc le truc, c'est qu'on peut pas sortir sans l'avoir buté. Ouais. On va la trouver. Ah !
Ok. Ça devrait le faire. Est-ce qu'on est de retour à l'entrée ? On dirait que l'influence du monstre a disparu. Essayez de fermer les yeux, tous les deux. Mais j'ai peur. Ça va aller maintenant. Elle est partie. Quel soulagement. Je culpabilisais que tu souffres à cause de moi. C'est pas ta faute. Tu m'as donné tes yeux. Merci. Je n'aurais jamais espéré entendre ça. Mais c'est vous deux, les vrais héros ici. Merci. Tout le monde va pouvoir se reposer. Vous nous avez débarrassé de ce qui rentrait à l'hôpital. Je peux enfin retourner en sécurité. Merci.